J'ai appris ça en début de semaine. Pierre est venu me voir. Moi, je m'en doutais un petit peu puisque voilà, il y a pas mal d'appels en équipe de France, vu les gros matchs qu'ils font. Donc j'étais très content et j'ai très envie de jouer ce match, tout simplement. Pas d'appréhension particulière. J'avais déjà commencé l'année dernière avec les matchs amicaux. L'année dernière, j'ai joué à Clermont. Voilà, cette année, j'ai fait un match amical. Là, je suis rappelé. Écoute, je suis juste content. Et pas d'appréhension particulière, puisque je m'entraîne tous les jours avec eux. Donc, c'est sûr que par rapport aux espoirs, il y a une différence. Elle est notable. Après, moi, sur ma semaine d'entraînement, le seul truc qui change, c'est que j'ai un chasuble. Mais après, l'intensité, c'est la même. Je m'entraîne, que je joue ou que je joue pas, je m'entraîne toujours avec la même intensité. Là, je joue avec le chasuble. En fait, je m'entraîne avec le chasuble. Donc, je redouble d'efforts. Et je suis encore plus concentré pour pas faire de bêtises samedi. Moi, par rapport à la pression, je sais que je l'ai vraiment le jour du match, le matin où je me lève. Sinon, après la semaine, ça me dérange pas plus que ça. Après, je l'aurais sans doute un petit peu plus que pour jouer un match d'espoir. Enfin, moi, je sais que finalement, le problème, c'était pas l'équipe en face que je rencontrais qui me faisait peur. C'était certainement de pas être au niveau des joueurs avec qui je joue à côté de moi. Donc, j'avais moins peur de l'équipe en face que de ma propre équipe. Quand je jouais avec Matt, Johnny, Brian Abana, tout ça, j'avais plus peur de moi passer... de pas être au niveau par rapport à eux. Donc simplement de leur dire de se focaliser sur leur match et de pas penser à qui ils ont autour et qui ils ont en face. Je sais pas grand chose sur Castres à part les images qu'on a vues. Je sais juste qu'ils sont dans le bas du classement, que ça reflète pas forcément le niveau de jeu de cette équipe, puisque encore l'année dernière ils étaient en finale, même l'année d'avant. Donc je pense que c'est un petit peu la même situation que Toulouse. Ils ont juste besoin d'un déclic, quoi. Mais que ça reste... une très grosse écurie du championnat qui est juste mal classée. Faut se méfier.